Et c'est terminé. Le Sporting Club de Bastia est champion national. Comme le 7 mai 2011, Bastia l'a refait. 10 ans après, le Sporting, on le savait, va retrouver la Ligue 2, mais s'offre un titre de champion. Bravo messieurs. On dit que les grands clubs ne meurent jamais. 10 ans après son dernier titre dans la division, le Sporting Club de Bastia trône de nouveau tout en haut du national et évoluera la saison prochaine en Ligue 2. Une nouvelle étape pour le club Turquini et ses nombreux supporters repartis de National 3 et qui enchaînent une troisième montée consécutive historique. Mais il n'est pas de beau champion sans un excellent dauphin. Que dire de Queville, Rouen Métropole, qui retrouve la Ligue 2 2 ans seulement après l'avoir quitté. Le club normand a aussi fait dans l'inédit cette saison avec son entraîneur Bruno Hirles qui enchaîne une deuxième montée consécutive en Ligue 2 avec 2 clubs différents. Là encore, c'est historique. QRM a aussi pu compter sur son duo prolifique Andrew Young-Otman Dadoun, 34 buts à eux deux. Bastia et Quevilly nous auront offert une lutte acharnée pour le titre jusqu'à l'avant-dernière journée et une finale pleine de suspense. Comme chaque saison, le National nous a permis d'assister à l'éclosion de talents à l'état pur, plus particulièrement cette année, des jeunes qui sur ce terrain d'audace ont voulu se distinguer et marquer les esprits. Chacun son style, l'inarrêtable Mansot Bilal Brahimi, l'infatigable Tango Mehdi Boudjema ou encore le buteur de Borgo Wilson Isidore. D'autres brillaient dans les divisions inférieures et continuent de scintiller après une saison de découverte en National. Le Red Star a pu compter sur Damien Durand, Orléans a trouvé son buteur avec Carnegie Antoine et Annecy a fait confiance à son prodige Miguel Alfarella. Et puis chaque spectacle a ses têtes d'affiche, Cherendoy, Shawki Ben Saada, Christophe Kerbrat, Benjamin Cornier ou encore Anthony Le Talec, pour ne citer qu'eux, sont ces acteurs de renom qui donnent au championnat national une dimension encore supérieure. Enfin, cette saison 2020-2021 nous a bien sûr offert son lot de surprises et de rebondissements. Du suspense, il y en a eu à tous les étages. Si Bastia et QRM ont validé leur montée, la troisième place de barragiste s'est disputée jusqu'à la dernière journée entre Villefranche et Le Mans. Jusqu'à 8 clubs se sont même mêlés à cette lutte pour le podium, avec des scénarios incroyables pour une saison épique. Le maintien aura aussi tenu en haleine de nombreuses équipes jusque dans les dernières journées. Si le promu Bastiais a fait mieux que se maintenir, les autres petits nouveaux du championnat, le Stade Briochin, Sète et Annecy, seront encore là la saison prochaine. Et c'est seulement la troisième fois en 10 ans que tous les promus arrivent à se maintenir. Une saison historique, enthousiasmante, harassante, mais ô combien palpitante. Le défi était de taille pour cette saison inédite. Joueurs, entraîneurs, dirigeants, bénévoles, institutions et supporters, tous ont répondu présents pour permettre au championnat national d'aller au bout et tous seront encore présents pour la prochaine saison en espérant un retour à une certaine normalité dès le 6 août prochain.